Wesh les copains, c'est Sergi et aujourd'hui on va continuer notre aventure sur Ligue des Masters. Là, je suis en train de m'entraîner pour la Champions League, les gars. Est-ce qu'on va gagner face à Tottenham? Je me demande, est-ce qu'on va y arriver? Parce que vu notre épisode catastrophique qui s'est passé la fois passée, je me suis dit qu'il faut que je m'entraîne, les gars. Il faut que j'apprenne quelques gestes techniques. Regardez, j'en ai appris certains, mais ça, je crois que tout le monde la connaît. Donc, on va directement aller. Attendez, je vais d'abord marquer un super but pour me mettre en confiance là. Eh non, j'ai raté. Donc, ça veut dire qu'on va perdre, les guys. Allez, on va quitter tout ça. On va juste au menu principal et on va à la Ligue des Masters, les guys. Continuer notre aventure. J'espère qu'on va gagner aujourd'hui. Parce que si on gagne pas, on sera éliminé. Et mon équipe, je l'ai déjà planifié, les gars. Regardez, Lewandowski devant avec Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Pedri et De Jong au milieu avec Kessié que je trouve qui est meilleur que Busquets. Jordi Alba. Je pense que je vais changer Jordi Alba par contre. Je vais mettre Marcos Alonso à la place parce que je crois que Marcos Alonso est bien meilleur, mais je vois que il n'est pas en forme. Alors je laisse comme ça. Et je vais vous montrer un peu le calendrier, les guys, parce qu'on s'était laissé face à Villarreal et j'ai gagné face à Getafe, un match très très difficile aussi. En tout cas, je suis en train de galérer, mais au moins j'ai récupéré la deuxième place. Au moins, je récupère la deuxième place. Allez, on y va. On va directement jouer ce grand match de Champions League, les guys. Donc, Son qui est prêt à nous battre. Est-ce qu'il faudrait qu'on change de maillot, peut-être? Ah, peut-être on devrait changer de maillot. Allez, on y va. Gros match, les guys. Gros match, les guys. Ne vous inquiétez pas pour Vers une légende, pour ceux qui veulent suivre une légende, c'est juste que j'ai pas le temps. Il faut que je monte Vers une légende parce que j'ai pas envie de vous montrer toute la vidéo sur Vers une légende, ça peut être ennuyeux. Allez, c'est parti les guys, Champions League. Sachez qu'on a assisté à une défaite à domicile, mais une défaite par un seul but d'écart. Alors était-ce la photographie d'un instant T ou bien est-ce un résultat qui traduit la vraie différence entre ces deux équipes? Ce qui est sûr, c'est que nous, de notre cabine de commentateurs, on pense que ce match reste très ouvert. C'est parti pour la Champions League, les guys. Est-ce qu'on va gagner face à Tottenham? On va le savoir dans quelques instants. Franchement, moi, je crois que on va pas gagner. Ouais, j'ai l'impression, vu le script qu'on a eu, ça sera pas facile, les gars. Ça sera pas facile. Allez, l'équipe. Moi, je vais tout donner aujourd'hui. Bien, si on perd aujourd'hui, parce que vu comment nous sommes dans une période très très difficile, et vous avez vu comment ça a été. Très difficile de gagner les matchs, même Tottenham, mais Tottenham, ils étaient pas forts. C'est moi qui ai fait l'erreur. Allez, c'est Richarlison qui est là, donc c'est lui qui sera le plus dangereux, je crois. Voici l'équipe est là, Richarlison sans. Heureusement, Harry Kane n'est pas là, il est sur le banc. Et on va défendre face à lui. Allez, c'est parti pour le match. On va jouer en défense parce que là, avec l'équipe que je connais, j'ai pas envie qu'on donne beaucoup d'espace aux Anglais parce que ah là il va siffler bien sur faute. Préparez-vous à ce que les joueurs, je crois qu'il s'est fait tomber. On va voir ça. Ah oui, ils se font tomber ces joueurs. Je ne comprends pas.
Donc, il y aura beaucoup de scripts. Préparez-vous à ce que je rage comme d'habitude. Voilà, je récupère le ballon. Regardez, regardez ça. Regardez-moi ce script. J'ai pas compris. Et regardez-moi ce script. Même les passes, ça n'y va pas. Rien n'y va. Regardez, même ce ballon, on n'arrive pas à le récupérer. Donc, préparez-vous à ce que l'arbitre soit contre nous, le ballon soit contre nous, tout le jeu sera contre nous. Donc, regardez, même là. Donc, rien ne va aller pour nous aujourd'hui. Donc, je crains une défaite. Une défaite. Si on gagne aujourd'hui, franchement, ça sera la chance. Ça sera beaucoup de chance. Ok, je récupère ce ballon pour une fois que je ne fais pas une faute. Ok, on va essayer de jouer calmement aujourd'hui. On va jouer le tiki-taka. Si vous avez vu le match contre le Real Madrid, c'était un très très gros match. Franchement, on a vu que le tiki-taka. Regardez, regardez, rien ne va, rien ne va. Tous les ballons seront contre nous aujourd'hui. C'est bien ça. Le danger est écarté. Peut-être une occasion pour son mine. Bon jaillissement, il fallait intervenir. C'est Diaby qui centre. C'était bien vu, dommage. Bon, là, je suis juste calme, là, les guys, parce que je suis tellement concentré, parce que j'ai envie de gagner, donc je me concentre. Quand j'arrive en défense, parfois je parlerai pas parce que là, faut que je me concentre. Ah là là là. Aucune. Ok, je récupère cette balle. Je vais tirer directement parce que là, avec leur défense, là, ça sera impossible à la percer. Allez, Koundé, à toi. J'ai voulu centrer, ça n'a pas marché. Attention, attention, attention. Faut pas qu'il donne à Richarlison surtout. Surtout à Richarlison, pas du tout. C'est lui que je suis en train de regarder là pour le moment. C'est lui que je marque avec Piqué. Voilà, c'est une très très belle défense en tout cas. Donc on a Richarlison sur nous. Et voilà. Et Richarlison, voilà. Faire très attention. C'est lui que je surveille. C'est lui, je ne fais même rien, rien d'autre. Je défends juste avec haut pour que les autres puissent récupérer le ballon. Ah, il y a faute, bien sûr. On récupère le ballon. C'était vraiment un moment de script là. Lewandowski va y aller. Et là, il va même pas siffler la faute. Là, on va même pas siffler la faute. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce jeu, c'est un phénomène. Regardez-moi ce script. Regardez-moi comment il bug. Ce jeu, je ne le comprends pas, les guys. Voilà, là, je crois qu'il était pas hors jeu. Ah là 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 là, Un duel gagné, ballon récupéré. c'est juste impossible. Voilà, on récupère le ballon. J'ai eu une opportunité de tirer, je l'ai pris.
Franchement, à la défense, rien faire d'autre, c'est juste prendre Richarlison. Si tu as Richarlison dans ta poche, je crois pas que ils peuvent gagner. Faut pas juste le laisser de l'espace. Faut pas juste que les autres s'y occupent la trappe. Attendez, je vais essayer un truc là parce que je vois que Lewandowski est lancé. Et oui, et oui. Et le but! Et voilà. On égalise un but partout donc. Mais il faut marquer un deuxième but. Je crois pas qu'un but suffira. Franchement, là c'est une astuce que je vous apprends. Souvent, l'attaquant, il va directement à la charge au début du match. Et vous n'avez qu'à lober L1, L1 triangle. Et ça passe très souvent. Ça, on le fait juste au début du match quand le ballon retourne au centre. Et vu que c'est Lewandowski, je sais que je peux tirer en première intention sans toutefois rater. Si c'est un autre attaquant, il faut d'abord contrôler avant de tirer. Donc, tout va bien pour le moment. Là, il faudra maintenant. Là, c'est Richarlison qu'il faut prendre, c'est rien d'autre. Richarlison. Oh non, c'est Kane cette fois-ci. Ouh, maintenant Kane, ça sera très difficile. Richarlison en moins, mais Kane là, on va souffrir les gars, on va souffrir. Vous avez vu comment il s'est retourné? Si vous savez comment se retourner sur PS en fait, dites-moi en commentaire parce que moi je sais pas comment on se retourne. J'ai vu que le. Allez. Ah non, il n'y avait pas vraiment faute là. Non, mes attaquants, ils sont pas fatigués parce qu'ils ne font rien en tout cas. Ils ne font que défendre. Et ils sont pas du tout fatigués. Là, je crois que ça risque d'entrer là. On va récupérer cette balle. Je suis tendu directement. Là, je prends directement Ken. Et oui, il y a beaucoup trop de fautes. L'arbitre siffle que pour les autres et moi, on siffle pas pour moi aujourd'hui. Faut pas le laisser Ken. Voilà, on y va, on y va, on y va, on y va. Là, je crois que Lewandowski peut prendre ce ballon. Là, on respire les gars, on respire. Je m'imagine si professionnel c'est comme ça, superstar, ça doit être quelque chose d'autre. Parce que. Voilà là. On va. Ah non, là, il y avait rien à faire. Là, je contrôle jusqu'ici, hein. Faut pas que Ken prend le ballon. J'ai fait du n'importe quoi là-bas. Là, je vais appuyer O, je vais dégager en fait. J'ai pas envie d'appuyer X parce que. Là, Christensen, il y va. Là, je tire avec Dembélé parce que, heureusement, ils ont dévié le ballon. Je contrôle jusqu'ici, en fait. Je contrôle jusqu'ici. C'est le seul moyen de les bloquer, en fait. Tant que vous contrôlez le milieu défense, attention, j'ai failli faire une gaffe. Là, c'est juste impossible. Je crois qu'ils sont fatigués. Je mets Rafinha et je mets Gavi. Je crois que ça va aider. Et puis après, je mettrai Dusan Vlahovic.
Quelle passe. Voilà, là on les a. Pas juste faire une gaffe parce que je sens que je commence à trop attaquer. Allez. Ferran Torres. Il était bien présent. Ils sont partout ces joueurs, ils sont partout, juste ils sont partout. Malheureusement, ça reste stérile. Voilà, là c'est bien. Il reste solide, il peut repartir avec le ballon. Ah, oh, c'était l'occasion de faire la différence, quel dommage. Là, 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 il va y aller. Là, je tire direct. Très, très mauvais tir, là. C'est très difficile, ce match. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je suis en train de souffrir sérieusement. Parce que cette équipe, il suffit qu'elle marque un but et ils seront qualifiés, je crois. Donc, on va faire le remplacement donc directement... Gavi est allé de ce côté là-bas. Il est allé à l'aile. Si le score en reste là, on se dirige tout droit vers une prolongation. Les dernières minutes, on se dirige vers un match nul. Oui, mais on sent qu'il peut encore se passer quelque chose dans ce match. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Là, on récupère les ballons. Là, on tire avec Lewandowski. Il est épuisé, Lewandowski. Je mets Dusan Vlahovic. Là, c'est très, très difficile. Franchement, ils sont partout, leurs défenseurs. Ils ne nous laissent pas respirer du tout. Et on dirait qu'ils sont boostés. On dirait qu'ils ont pris de la drogue. Parce que c'est juste incroyable. Je crois que même Superstar, ça doit être la même chose. On dirait que... Quelqu'un m'avait dit que même les défenseurs étaient plus rapides que les attaquants là-bas, alors ça devait être pire. Là-bas, je vais prendre juste Kane là, pour pas que... Voilà, là, là, on les a. Tant que tu bloques leur attaquant, tout va bien. Allez, je passe directement Franck ici là. Et il veut même rester Franck ici. Allez, Franck Essier, on va y aller. Et bien sûr, il ne va pas prendre le ballon. Comme par hasard. On est dans les ultimes instants de cette rencontre. Il joue en profondeur. Il a bien jailli. De Jong. Pedri. Allez, c'est la prolongation, les guys. Un match très ennuyeux, je sais. Mais je n'ai pas de choix, en tout cas. Il faut que je défende. Je n'ai pas vraiment remplacé les joueurs parce que... Parce que je n'ai pas trouvé très nécessaire. J'ai juste remplacé l'attaque parce que j'aurais besoin d'eux en prolongation. Je fais le pressing. Moi, je contrôle Kiki ici, comme vous êtes en train de voir. S'il le trouve. Et là. Caissier. Attention, faut pas perdre le ballon ici. Hein. C'est très... Rafinha. Il est bien placé. La frappe. Ouh là là, ça peut être le but. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont fatigués? Je crois que Koundé sera fatigué bientôt. Et même De Jong, il a l'air fini, les guys. Je crois que je vais même l'enlever, De Jong. Je mets Busquet. Il ne me reste qu'un remplacement. Je vais le garder. On ne sait jamais. Je crois que ce sera Koundé qui va sortir. Un peu d'oxygène pour sa défense. Il centre. Ça, c'est un très joli centre. Il change le jeu. Ah, j'aime bien, ça va lui donner un peu d'air. Ouverture lumineuse. Attention. Dégageant, parce que là... Ils obtiennent la touche. Il
Marcos Alonso va venir. La place de Koundé, je trouve que Koundé, il est épuisé. Et là, il va pas siffler la faute. Voilà, on y va, on y va. Ça, c'est Pedri. On va pas le prendre, Pedri. J'ai confiance en Pedri. Il n'y a personne, il n'y a personne. Ah là là. Vraiment, il n'y avait personne. Et c'est la première partie. Ouh, ce match est juste difficile. Si on gagne ce match, franchement, je ne crois pas qu'on va gagner ce match. Vu la difficulté que... On dirait que je suis en train de jouer légende, les gars. Même, oh bon, légende, j'aurais déjà perdu. Allez, là, c'est l'occasion, là, c'est l'occasion. Il l'a intercepté, il a intercepté. C'était l'occasion qu'il fallait que je marque. Franchement, dommage, j'avais complètement oublié ce truc, ce détail. Je contrôle cette balle. Heureusement que c'est pas sorti. On va aller au penalty. Avec Marcos Alonso. Qui est le plus fatigué? Qui peut aller chercher? Ah là, il y a faute arbitre. Et il va pas siffler. Il va pas siffler cet arbitre. Regardez mon joueur, il est même blessé. C'est quoi ça? Cet arbitre, je sais pas. Tout ce que je peux faire, c'est contrer. On va juste dégager parce que là... Je vais essayer de presser là. Ça va sortir ça. On récupère le ballon. Sort la balle. Voilà. Ouh, franchement ce match... Au penalty, je crois pas qu'on va gagner. Je crois pas qu'on va gagner. Attention, qu'est-ce qu'il faut? Allez, les pénalties. J'aurais pu marquer un but là-bas. Mais on sent directement que c'est... On n'a pas le niveau, notre équipe, franchement. Non, je ne vais pas mettre Davi en premier, quand même. Par contre, Dusan Blahović, je préfère le mettre avant. Peut-être Pedri avant. Busquets aussi un peu avant. Ça va être compliqué. Marcos Alonso, bien sûr, il doit venir. Non, je mets Marcos en deuxième. Les tireurs ont été désignés. Les gardiens se préparent. La séance des tirs au but va bientôt pouvoir commencer. Alors, c'est qui va commencer, les gars? C'est eux. Franchement, je suis fort pour arrêter les pénalties, mais pour les marquer, c'est une autre chose. Mais pour marquer, on va voir si... Ce sera le premier tir. Faut toujours bouger à la dernière seconde, regardez, voir. Ah là, il m'a eu. Il a très très bien tiré là. Vous pouvez choisir juste un côté et vous dire, vous allez aller à gauche seulement. Là, je me demande où est-ce que je vais tirer. Je choisis la droite, mais je crois que je vais rater. Ah oui, il a bien marqué. Heureusement. Ouf. C'est chaud là. Alors là, je vais enlever ce penalty. Voilà. Ça se voit trop qu'il allait fermer, Vous pouvez même faire comme ça et puis essayer encore ici. Et là, oh là là, je crois que j'ai mal tiré. Je crois que je vais rater. Je savais, j'ai très mal tiré. Ken, lui, je sais pas là, il va tirer, mais je crois qu'il va tirer à gauche. Ah non, tous ils ont choisi le côté droit, on dirait, aujourd'hui. Voici le troisième dans l'ordre des tireurs.
Là, je sais pas, là, j'ai tiré, je crois que j'ai tiré au milieu. Voilà, c'est super bien tiré. Hein. Très bien tiré pour Franck Essier. Là, je crois que je vais aller encore à gauche. Voilà. Voilà, là, c'est très bien, c'est très bien. Concentrons-nous, les guys. Là, je vais tirer de la même façon dont j'ai tiré avec. Avec Franck Essier. Ah non! J'ai tiré au milieu. J'avais tiré légèrement à côté. Je sais pas pourquoi il a décidé de tirer au milieu. Là, je vais à droite. Hein. Là, je crois que c'est droite. Ah non, il a choisi gauche aussi. Si je rate, c'est fini, je crois. Dusan Vlahovic. Merci, merci. Ouh, j'ai eu peur, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur, les gars. Là, je crois qu'il va aller à gauche aussi. Ok, je vais choisir juste un côté. Je vais à gauche seulement parce que là. Là, je vais tirer au milieu, en fait. Ça a marché, ça a marché. Allez, on va voir, on va voir. Ah, je vais à gauche encore, je vais à gauche. Parce que là, il n'y a pas de truc. Il a raté! Il a raté! Il a raté, les guys. Non, on doit marquer, les guys, on doit marquer. Attention, tir au but décisif. Si ça rentre, c'est gagné. Et l'occasion de mettre fin au Oh non, suspense. qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est bloqué là-bas? Wow! On est qualifié! Quel penalty, les gars. J'espère que j'ai tout enregistré. Oui, tout enregistre. Nous sommes à la 22e minute. C'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Ah, je suis super content, les gars. Je suis super content. Le match était très difficile, les gars. Après, on aura le Real Madrid. Oh non, 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 non. Je crois que je veux pas, je veux pas. Ah là 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 là. On aura la Majorque. Mais celle-ci, je crois pas que je vais filmer. On va se retrouver après la Majorque. Parce que là, franchement, face au Real, ça sera autre chose, les guys. Donc, on demande les prêts. Franchement, c'était un très très bon match là. J'ai très bien défendu. Antonio Aranda. Ou bien on joue ce match juste, il n'y a pas de souci. Plan de jeu. Là, je mets. Là, je garde tout le monde comme ça, hein, mais sauf De Jong. Je mets Gavi ici, Pedri aussi, fini. Je mets Sergi Roberto parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Je mets Sergi Busquets ici. Ouh, tout le monde est fatigué. C'est normal. Ronald Larojo, viens. Je vais mettre Eric Garcia, bien sûr. Viens ici. Même s'il n'est pas en forme, je m'en fiche. Hector Bellerin, viens. Et puis Marcos Alonso. Ou bien Alex Baldé. Je préfère Alex Baldé. Puis je vais reposer aussi mon gardien. Pour mettre Iñaki Peña. Et là, je mets Dusan Vlahovic. Ah, je laisse faire Antorès. Non, je mets Memphis Depay. J'ai trouvé qu'il est super fort face à des petites équipes. Oh, j'avais déjà choisi. Donc, ouf, c'était chaud ce match. Vous avez eu ce match avec moi, j'espère. Franchement, c'était chaud. J'ai souffert. J'ai trop souffert, les guys. Après, ça sera le Real. Ah, le Real, là, c'est la Coupe du Roi. Je m'en bats les couilles, même si on perd, mais. Franchement, vous avez compris, j'ai trouvé une technique, en fait, c'est vous n'avez qu'à bloquer l'attaquant. Parce qu'il n'y a que l'attaquant qui peut marquer.
Surtout quand il joue un 4-3-3, à part s'il y a deux attaquants, il faut voir la formation. Comme là, on va voir la formation, si c'est 4-3-3. Ouais, il y a un attaquant, il n'y a qu'à lui à défendre. Vous dirigez juste le milieu défensif. Ça, c'est surtout quand vous jouez face au PC. Là, vous voyez, je fais la même chose. Je vais faire la même chose. Et ça sera plus facile parce que... Voilà, on récupère le ballon et pendant que vous contrôlez le défenseur, vous appuyez haut et vous laissez les autres, comment dire, vous laissez les autres faire le pressing à votre place. À part quand c'est les balles aériennes, là, le défenseur change. Là, comme j'ai fait une erreur, j'ai fait l'erreur, vous voyez. Voilà, on va garder le ballon. Alex Baldé. Franchement, qui est un très bon joueur dans la vraie vie. Et là, ouh, si c'était passé, il y avait Dembélé juste après. Là, je fais la même chose, hein. Je laisse les autres pour qu'ils viennent plus vite. Quand c'est aérien, je sais que je suis plus fort parce que... Mais je trouve que Kessié fait mieux le boulot que Busquets. Il peut en fait avoir un très bon milieu défensif. Voilà, là c'est très bien joué. Là on joue super bien. Là cette équipe est en train de m'attaquer. Si je continue à défendre de cette façon, ça sera pas. On gagnera pas autant de buts qu'avant. Mais c'est le seul moyen de stopper les scripts dans ce jeu, j'ai trouvé. Allez, on y va. Ouh. Bon. Je suis content qu'on est arrivé en quart de finale. Au moins, là-bas, je pensais qu'on allait être éliminé. Franchement, je suis ce jeu. Ça donne des émotions quand on gagne. En tout cas, quand on gagne dans ce jeu, on a une satisfaction. Voilà, récupération. Voilà, on y va. J'ai failli, j'ai voulu dribbler. Ça n'a pas marché. Voilà, là, vous contrôlez juste le milieu défensif et vous laissez les autres faire l'attaque parce qu'ils vont récupérer. Là, je sais qu'il sera plus rapide, Dusan Vlahovic. Il est gaucher, en fait. Ah, je viens de me rappeler en fait la raison pour laquelle je ratais avec lui dans les matchs précédents, c'est parce que je tirais avec le pied droit. J'étais tellement habitué de marquer avec Lewandowski que j'oubliais que les autres. Ah, je voulais Memphis Depay. En tout cas, il n'y a vraiment personne. Je vais faire une attaque là parce que je trouve que. Là, c'est bien récupéré, vous avez vu. Là, avec un peu de réussite, là. L'attaquant seul peut, le milieu défensif seul peut arrêter l'attaquant. Là, quand ça va, on peut rien faire d'autre que... Parce que là, on est... Ah, regardez-moi ça. Là, on est dans des matchs très, très difficiles. Donc, pour marquer un but, ça devient très difficile parce qu'il y a un script là terrible. Après, c'est le Real, donc. Et c'est le championnat. Donc, on arrive dans la partie de saison où c'est là. On devra choisir quelle compétition on devra gagner. Est-ce qu'on veut la Copa del Rey? Est-ce qu'on veut le championnat ou la Champions League? Moi, en tout cas, je laisserai la Copa del Rey. C'est pas super important.
les autres, surtout la Liga, c'est quelque chose pour le Barça, je trouve, c'est le truc le plus important. Ouh, peut-être fallait le tirer avec Dusan Vlahovic. Là, on commence à y aller. Voilà, ça veut dire qu'ils reculent. Ils ont senti que ma défense n'y allait pas. Ils ont un peu abandonné de faire des attaques. Et c'est la mi-temps. C'était une mi-temps très ennuyeuse, les gars. Désolé. Et depuis que je fais cette défense, je ne m'occupe plus d'attaquer et c'est ça le problème. Il faudra maintenant que je trouve des questions pour l'attaquer. Le seul moyen que j'ai trouvé d'attaquer, c'était ça. Aïe, 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 vous voyez. Des fois, ça bug. Des fois, le truc script, je vous assure. Comme là, expliquez-moi comment il n'a pas pu contrôler ce ballon. Ok, là, on va arrêter de trop défendre parce que je vois que... Mais qu'est-ce qu'il fout, Hector Bellerin? Là, c'était... Là, on commence à attaquer, là, on commence à aller... Non, c'était très mal tiré là. Alors là, je crois que je vais aller me rattacher avec l'attaquant là parce que... Là, on récupère facilement. Non, je voulais. J'ai très mal joué aujourd'hui. Memphis Depay n'est pas dans son assiette. Pourtant, face aux petites équipes, il est fort. Là, je reste avec l'attaquant. Là, je récupère. Et là, ils vont siffler la faute. Là, je crois que je vais enlever Memphis Depay et j'amène Ferran Torres. Parce que Memphis Depay n'a pas l'air en forme. J'ai eu juste une occasion de tir. Heureusement que j'ai sauté dernière seconde là. Ouh, c'est ça, faut y entrer là. Regardez ce qu'il fout celui-là. Et voilà, c'est le but. Je sentais ce but. Franchement, le scripting dans ce jeu, c'est exagéré. C'est énervant tout ça. C'est très énervant. Là, je peux faire que ça. Et voilà, c'est le but. Je peux faire que ça. Il n'y a rien d'autre que je peux faire. Il n'y a rien d'autre que je peux faire. Et ils ont failli me faire bugger. Vous avez vu? J'ai failli rater ça. Et heureusement que je savais qu'il est gaucher. Ah. Maintenant que je sais qu'il est gaucher, je vais rater rarement avec lui. Franchement, c'était un super bon but. Regardons ça. Contrôle de l'épaule. Contrôle de l'épaule, les gars. On va revoir ce contrôle de l'épaule. Regardez. Regardez ce contrôle. Choup. Et là, il voit. Là, il voit la maîtresse. Là, s'il l'avait raté, franchement. Il y a un script. Ici, il y a un script. Et chaque fois que c'est quand tu quittes une compétition très, très difficile, dès que tu reviens en championnat, bon, c'est réaliste, mais là, c'est exagéré. Ils font, c'est juste impossible. Leurs défenseurs ont l'air d'être meilleurs que nous. Et surtout les arbitres sont contre nous. Après ce match dur qu'on a eu. Ah là là là, c'est pas redescendu.
sur moi, malheureusement. Alors là, je peux l'avoir. Non, il n'a pas eu. Là, on va l'avoir. Allez, là, là. Il ne court pas, en fait. Je cours, j'appuie la touche pour courir, mais il ne court pas. Il marche, il regarde le ballon parce que c'est scripté. Tu touches une touche, ça ne veut pas toucher. Là, je n'ai pas envie de contrôler cette fois-ci Busquets comme avant. Bon, là, là, je vais le faire parce que là, ils arrivent vers moi. Et là, je sentais, je savais. Et là, on ne va pas les laisser passer, en tout cas. Là, ça ne va pas marcher de cette façon. La Baldé, je vois que Baldé est seul. Ah, et voilà, il ne court pas, Baldé. Attendez un peu, je vais faire aussi des remplacements parce que il y a des gens qui courent plus. Je mets Jordi Alba ici. Koundé qui devient un peu nous aider. Et là, je vais mettre Rafinha. Je garde Lewandowski pour le prochain match. Trois remplacements. Là, il a très mal passé là. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. J'ose pas imaginer jouer Superstar, jamais. Parce que là, là, je crois que Superstar, ça doit être pire. Je crois qu'il y a des remplacements. Là, Sergio Roberto est fini. Je vais mettre Franck ici parce que je trouve qu'il est bien meilleur que les autres. Un but maintenant et la victoire leur tendrait les bras. Là, il va siffler, bien sûr. Ils veulent marquer vers les dernières minutes. Attendez, je vais reculer un peu mon bloc parce que je sens que quelque chose arrive. Pas mal du tout, ça. Le centre devant le but. Heureusement, heureusement. Dommage, les deux équipes ne parviennent pas à se départager. À moins qu'on ait le temps pour... Et là, ils vont siffler penalty, non? Heureusement. J'ai senti que quelque chose allait arriver. Heureusement que je contrôle. C'était même pas le truc. Ah non, qu'est-ce qu'il fait Dusan Vlahovic aujourd'hui? Je crois que ce match va se terminer match nul. En tout cas, j'aurai pas ce championnat. Faut que je dise bye bye à ce championnat parce que c'est trop scripté pour moi. Heureusement que c'est pas entré. C'est trop scripté les guys. Je peux rien faire. C'est un script que j'ai jamais vu de toute. Et ça, c'est chaque fois quand tu termines le championnat. J'ai l'impression qu'on peut plus gagner. Regardez, ils vont souffler. Ah non, ça, cette fois-ci, c'est à nous. Hein. Oh, je vais jouer les passes parce que là. Bon, on peut y aller. On va essayer. Bon, ils vont siffler. Ce match est vraiment... Les matchs que je suis en train de jouer, c'est dégueulasse. Ce jeu... Je sais pas comment dire. Je sais pas quoi dire, je suis bouche bée. Mais bon, je voulais que ça soit réaliste. C'était réaliste. Et regardez, je perds encore une place. Mais bon, je suis pas super loin. 70 points. Troisième, juste derrière le Real. Qui vient de passer. Donc, si j'avais gagné... Je serai toujours deuxième, donc c'est pas si loin que ça. Et là, on va jouer un gros match face au Real Madrid. Ah, tout le monde est chaud, hein. Tout le monde est chaud. Ça, c'est bien. Jules Koundé, Jordi Alba. Mais cette fois-ci, je crois que je... Non, je laisse Jordi Alba. Donc, ici, voilà. Par contre, ici, je vais mettre Rafinha. Puis, si je vais mettre Dusan Vlahovic, là, je vais enlever. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chaud qui veut venir? Busquets est aussi chaud, hein.
Bon, je vais sauvegarder. Au cas où, parce que... Vu... Comment les classicos se passent souvent. Allez, un autre El Classico. El Classico, donc... On va voir si on va pouvoir gagner. Demi-finale, les gars, si on gagne ici, on peut aller jusqu'en finale et en finale, on pourra gagner. Je vais passer la cinématique, on a vu, déjà, on a vu, on a revu, donc. Ce sont deux groupes de grande qualité avec des joueurs pleins de talent. On devrait forcément se régaler aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, c'est parti, là, il n'y a pas hors-jeu. Voilà, peut-être il fallait que je lobe. Pourquoi j'ai pas pensé à lober, attention. Et voilà, Benzema, bien sûr, il va marquer. On va pas gagner ce match. Moi, je vous le dis. On va faire la technique là. Voilà, là, là, il peut marquer. Regardez. C'est juste impossible. Mais c'est quoi ça? C'est scripté. Franchement, les derniers matchs que je suis en train de jouer, c'est dégoûtant. Voilà, Dusan Vlahovic. Là, j'ai voulu directement tirer. Il va pas marquer. Donc Benzema, il est cheaté dans ce jeu. Parfois, je me dis. J'ai eu. Regardez, attention, attention. Et bien sûr, il va marquer. Heureusement, heureusement, heureusement que. Et bien sûr, il va marquer. C'est juste là, 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 je peux rien faire, les gars. Je peux rien du tout faire. Là, je vais prendre juste une humiliation. Là, 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 là. Et là, on va marquer au moins ça. On va marquer au moins ça parce que. Il n'y a que ça qu'on peut faire. Il n'y a que ça qu'on peut faire. Il n'y a que ça qu'on peut faire parce que. Toute l'équipe là, je vais jouer défensif là. Je vais jouer défensif parce que j'ai pas le choix. Souvent en attaque. C'est bien, bien sûr, mais ça peut être à double tranchant. Il faut des coéquipiers en jambes pour bien compenser leur montée. Modric. On récupère le ballon, c'est bien. Dusan Vlahovic, est-ce qu'il va y aller? Là, c'est faute arbitre. Donnez carton. Là, c'est carton. Là, c'est bien. Parce que maintenant, je vais commencer à provoquer trop Rudiger. Il m'énerve, ce Rudiger, même dans la vraie vie. Il fait beaucoup trop de fautes. C'est par jeu. Ah là là, il n'y avait personne. Là, on peut rien faire que ramener quelques joueurs là. Voilà, c'est bien récupéré par Piqué. Non, je voulais pas. Ok, il y a faute au moins. Je voulais pas Dusan Vlahovic. Et ils font beaucoup trop de fautes, le Real. C'est comme ça, ils jouent salement. Mais on est à l'extérieur aussi, il faut pas aussi l'oublier. Donc, ils ont l'avantage du public aussi. Ils sont boostés. Et là, franchement, on a joué beaucoup de classico cette saison. Moi, j'en ai marre. Et puis, il va siffler, bien sûr, faute. Et bien sûr, oh, ça c'était chaud, les gars. Voilà, c'est bien Dusan Vlahovic. En tout cas, il nous aide en défense. Bien sûr, ça va pas passer.
Et bien sûr, mais c'est... Mais c'est... Heureusement, je récupère. C'est juste parfois, ça bug. Non, je vais pas qu'on prenne le ballon. En tout cas, le Real, aujourd'hui, ça va être le scriptage du siècle. Avec le Real, faut pas... Tout ce que je peux faire, c'est ça. Ah là là, ah là, ils sont partout, les Real, là, aujourd'hui. Mais je dirais pas que eux, c'est scripté, franchement. Et on sent directement que eux, ils jouent sérieusement et l'arbitre n'est pas contre nous avec... N'est pas contre nous quand on joue avec eux. C'est contrairement aux autres, on sent directement que c'est scripté dès le début. Ouh, heureusement. J'étais là pour empêcher. Benzema, c'est lui le plus dangereux en fait ici. Avec piqué, ça va pas marcher. Prends ce ballon, Verstegen. Et là, on est en train de encaisser beaucoup, beaucoup trop d'occasions, mais on tient le coup. Franchement, j'ai dit que avec Ouh, là c'était bien essayé. C'était bien essayé. C'est un très mauvais tacle là. Là, je vais. Là, je ne vais pas les laisser passer. Et bien sûr, Ouh. C'est chaud, c'est chaud. C'est juste chaud. Deuxième mi-temps. Là, je vais faire la même chose, les guys, parce que... Et voilà. Légalisation, les guys. Et c'est le seul moyen que je peux faire contre le script ici. Parce que si je fais pas ça, je suis désolé pour cette vidéo, c'est le seul truc, le seul move que je suis en train de faire. Franchement, là, c'est une technique. Une technique pour les anciens. Je sais que dans mes viewers, il y a des gens que je connais, ils connaissent cette technique. C'est une technique, en tout cas, ça marche à tous les coups. Hein. Tant que tu connais ton joueur. Tu sais de quel pied il tire, tu vas pas rater. Allez, ça fait 2 buts partout. Et en tout cas, je suis très content qu'on est revenu. Et là, on peut gagner. Hein. Moi, je crois qu'on peut gagner cette fois-ci. Je viens d'avoir confiance. Vu les occasions qu'ils ont ratées, on peut gagner. Allez, on récupère ce ballon. Ah là là là, là, j'allais booster un truc. J'allais faire un truc là. Ils n'allaient pas oublier. C'était pas vraiment une faute aussi. Hein. Ah là, c'est Dusan Vlahovic. En tout cas, il défend super bien. Il s'est trompé peut-être de pause. Voilà, ça c'est. Voilà, il y a beaucoup trop de fautes. Donnez carton, arbitre. Hein, donnez carton. Ils exagèrent. Ça fait beaucoup de fois qu'il fait ça. Qui nous laisse jouer calmement, qui gardent leur pressing. Attendez, là je vais faire pour Rafinha ici, triangle direct. Parce que je sais que Rafinha. Ah là là, Rudiger était là. J'aurais dû garder ça. Là, je contrôle juste le milieu Pedri parce que peut-être j'aurais dû contrôler Kessié. Ok. Ça, c'est très bien de la part de. Là, je crois que ça. Mais c'est juste impossible. Moi, ça m'énerve ce jeu. C'est énervant ce jeu. On sent directement qu'ils veulent pas qu'on joue, hein.
Mais malheureusement, ils ont rencontré quelqu'un qui aussi a quelques astuces. Je crois que Lewandowski va venir entrer. Voilà, ça c'est très bien. Là, je vais passer. Attention, attention, il faut pas que je fasse une gaffe. Et là, je dégage au plus loin. Attention, là, je peux y aller. Je peux pas passer, je peux pas passer, les gars. Ils peuvent pas me laisser jouer. Ils peuvent pas. Parce qu'ils savent que ce gars, il n'est pas facile. J'ai voulu passer à Dusan Vlahovic, ça n'a pas marché. Quand je vais faire quelques remplaçants cette fois-ci. Mettre Memphis Depay ici. Dusan Vlahovic, il échoue. Je vais mettre Lewandowski et je vais mettre Ousmane Dembélé ici. En tout cas, ils sont pas l'air très fatigués. Ça, c'est très bien défendu. Je dégage. Ah, et bien sûr. Mais c'est quoi cette faute? Ah bon, il y avait faute, je crois. Oh non, c'était la première faute. Ah, j'ai eu peur qu'ils allaient donner un coup franc là, terrible. Voilà, là, Lewandowski. Ça, on peut rien faire, on peut rien faire. Puis ils vont donner corner, non? Ouh, on a fait une gaffe là-bas. En tout cas, ils sont tous devant. Je vois, il y a combien? Il y a tout le monde est devant. Regardez, je vais faire reculer moi aussi des gens parce que là, on peut pas continuer de cette façon. Nous sommes dominés au milieu. Bon, qu'ils reviennent un peu derrière le Dembélé là, voilà. Heureusement, voilà, ça c'était bien joué. C'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Le ballon dans la profondeur. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'y a pas pas. beaucoup, je trouve pas. Je vais amener Gavi à la place de Frankie de Jong. Deux buts partout, les guys. Là, il va pas passer Benzema en tout Non, cas. ça ne passera pas. Valverde. Ah, ça c'est très bien de la part de Pedri. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce Ah moment-là là du là. match. C'est juste impossible. Là, on peut faire que défendre là. Ouverture lumineuse. Ah, Mauvaise il n'y a pas intervention. vraiment faute là-bas aussi. On va voir s'il y a quelqu'un de fatigué. Je crois personne. Koundé a l'air fini, mais non. Je crois que je vais laisser tout le monde comme ça. Les deux équipes doivent faire attention au contre Ok, maintenant. je ramène Lewandowski en défense parce que là, ça va pas. Ouh, heureusement, Ter Stegen. Aujourd'hui aussi, nous a sorti un très gros match. Le Real est chaud, ils veulent gagner à tout prix, mais on va pas les laisser gagner. Je me demande même comment je suis arrivé à rester parmi les premiers, parce que je me demande comment ce script a commencé à venir à... Bien, j'ai l'impression que mon niveau a baissé en fait, au lieu d'augmenter, c'est en train de baisser. On va pas te laisser passer. On va pas te laisser passer. On va pas les laisser passer. Il enchaîne les dribbles. On va pas les laisser passer. Sur le côté. Ah, il s'est bien battu. Voilà, merci Dembélé. C'est joué long, c'est dangereux. Non, il y aura personne à la réception de cette longue passe. Là, ils vont pas siffler. On dirait que les minutes se sont stoppées, je sais pas.
sur l'aile. La passe est précise. En la profondeur. Et voilà, deux buts partout. C'était un match très très difficile aussi, les gars. Je suis en train de faire des matchs très difficiles pour vous. Cette seconde partie, ça devient une horreur, les gars. Une horreur pour moi. Donc, on a bien fait de faire un match nul chez eux. De deux buts en plus. Donc, à la maison, on va essayer de ne pas encaisser de buts. Et de ne pas perdre. Marcos Alonso a l'air chaud, je vais le mettre à la place ici. Ansu Fati aussi a l'air d'être chaud, je vais le mettre à la place ici. Sergi Busquets aussi a l'air chaud, je le mets ici. Sergi Roberto aussi a l'air d'être chaud, mais... Et on va laisser les gens comme ça. Dusan Vlahovic, en tout cas, il a fait un très grand match. Je vais le laisser aussi faire ce match ici. Souhaitez-moi bonne chance, les gars. Souhaitez-moi bonne chance. On va passer tout ça directement. On va direct au match. C'est le dernier match de la vidéo. Et la même chose. Ah là là, j'ai très mal passé sur ce coup. J'aurais dû le prendre à revers comme la fois passée. Ah, et c'est parti, c'est parti. Et bien sûr, et bien sûr, et bien sûr. Et bien sûr, les gars. Et là, je dois pas, moi aussi, je dois faire la même chose. Ah, ça ne veut pas, ils ont compris. Ça ne veut pas, les passes. Ça ne veut pas. Bon, Dusan Vlahovic, au moins là, il va marquer, voilà. Un but partout. En tout cas, ce match commence très très fort. Là. En tout cas, Vlahovic, il risque de remplacer Lewandowski parce que il est très important dans les matchs. Dans les matchs, c'est important. Je vois qu'il est... Je veux dire à tout le monde de venir défendre parce que je vois que le Real est en attaque. Bien sûr, ils vont donner coup franc. Et là, ça risque d'être but. Et bien sûr, je savais que ça allait être but. Je savais que ça allait être but. Franchement, je laisse la Copa del Rey. Je la laisse. S'il veut la remporter, qu'il la remporte. Parce que je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Allez, vas-y, Dusan Vlahovic. Cette fois-ci, il va pas tout droit, on dirait. Allez, c'est sorti corner. Je savais que ça allait être but. Je savais. Là, ils peuvent pas rater. Même si tu bouges le gardien, ça va rien servir. Alors là, j'ai pas le choix. Je vais faire tout le monde attaque parce que là, franchement, je crois que défendre, ça sert à rien. L'arbitre, il est avec eux. Je laisse la Copa del Rey qui la garde. Qui la garde. Mais je veux pas leur donner ça facilement aussi. Ça, c'est super bien joué de la part de Dusan Vlahovic. Et là, je vois Frankie de Jong. Et d'un coup, il s'arrête. Voilà, Frankie de Jong. Oh non, j'aurais dû pas faire ça. J'aurais dû continuer. Pourquoi j'ai enroulé, je me demande. Et bien sûr, il va siffler toutes les fautes. Ah, on va pas aller. Il voit sa
J'aurais dû pas, je vais regretter mon but avec Frank De Jong. C'est bien, c'est bien. Allez, c'est bien, Dusan Vlahovic. Oh non, qu'est-ce que j'ai foutu encore? Je fais de la merde aujourd'hui. Ça fait deux fois, je perds deux fois face à face avec le gardien. J'ai énervé les gars. Je vais perdre ce match, les guys. Je crois que je vais pas gagner. Je suis en train de faire aujourd'hui, je sais pas. Ou bien c'est le jeu qui veut pas que je marque. Ou bien c'est moi qui a fait l'erreur. Bon, avec De Jong, je crois que c'était moi qui avais fait l'erreur, peut-être. Là, ben, là, je crois. Là, je crois que. Ah, il est sorti ce gardien. On va rien faire, Benzema. C'est joué long, c'est dangereux. Allez, vas-y, Ansu Fati. Je sais que tu peux arriver. Arbitre, il va pas siffler ses fautes. Bien sûr, il n'allait pas siffler. C'est moi qui ai dû le rappeler. On va perdre ce match, en tout cas, les gars. Je crois pas qu'on va gagner. De toute façon, c'est pas ce que je vais faire. Allez, Frankie de Jong. Bien sûr, ça va pas passer là-bas. Les deux buts que j'ai ratés. En tout cas, ce match, c'est ma faute si si je perds. Parce que là, franchement, je crois pas que c'était scripté. Bon, il y avait. C'est le Real. J'ai voulu passer directement. Ça, c'était très bien tiré de la part de Ansu Fati. Non, vu le match aller qu'on a eu, c'était très difficile. Je m'attendais à ce que à la maison on ne gagne pas facilement. Et bien sûr, ça va entrer. Heureusement. Bon. Pour une fois, je trouve que ça c'est bien. Ah, voilà. Merci. Non, je voulais pas du tout celui-ci. Je voulais Koundé, mais qu'est-ce qu'il me fout ce joueur? Sors cette balle. Ça va pas sortir la balle. C'est vraiment bizarre. Bon, c'est la deuxième mi-temps, donc on a eu deux occasions, les gars. Je vais pas. Et ils ne donnent pas la balle, pourquoi? Je voulais faire leur jouer le même truc là. Le temps de finir votre analyse, le jeu a déjà repris. Il faut oublier cette première mi-temps et vite revenir au score. Dans un match si important, ils n'ont pas on va le choix. faire une longue passe là parce que je sais que. Ah là là. Elle est hors jeu. Là, c'est la passe. Dusan Vlahovic, est-ce qu'il va y aller? Non, 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 non. Franchement, j'ai eu beaucoup d'occasions, les gars. Vas-y, non, 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 non. Ça ne va pas du tout. Benzema va pas y aller, non. Allez, prends ce ballon. Stegen. Il nous faut juste un but, un seul but, et puis on revient encore dans le match. Et peut-être encore d'autres pénalties. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Voilà. Une longue passe vers l'avant. Qu'est-ce que je fous? Voilà, je suis en train de faire de la merde aujourd'hui. Allez, Ansu Fati va sortir. On va mettre Ferran Torres parce que Ansu Fati joue bien, mais il n'est pas assez percutant.
Il est fatigué aussi. Valverde. Attention à ce centre. Et un contact qui... Ne me dis pas qu'il donne une faute, mais c'est quoi cet arbitre? Je ne comprends pas. Regardons s'il y a faute. Ah oui, il y avait faute. Mais c'est pas vraiment. Ils ont déjà joué. Le ballon est déjà dans la surface. Et comment? Non, le jeu, qu'il garde la Coupe du Roi, comme j'ai dit, qu'il la garde parce qu'ils veulent pas que je gagne. Non, il n'aura pas. Je vais sortir piqué parce qu'il n'y a que lui qui peut bien défendre. Attention. Non, Valverde ne va pas marquer aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui sont fatigués. Oui, Koundé a l'air épuisé. Je vais mettre Hector Bellerin. Et on ne sort pas, on n'arrive pas à sortir le ballon. Et ne me dites pas que Benzema va marquer. On va dégager loin parce que ils sont tous. Là-bas, là, j'ai vu, là, j'ai vu. Vlahovic, Vlahovic, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un tir très mou là. Ah là, là. On va pas gagner comme ça. On a raté les occasions les plus importantes. Vlahovic va y aller. Hein. Là, je... Non, Vlahovic, il est hors jeu. Je voulais pas Vlahovic, je voulais la finir en fait. Il fallait peut-être que j'attends, je savais pas que Vlahovic. On va faire des remplacements aussi. Ousmane Dembélé. Puis je mets Lewandowski. Il m'a l'air en forme aujourd'hui. Dusan Vlahovic, en tout cas, il fait des... il est très fort. J'ai raté deux face à face, les gars. Deux face à face. Franchement, je ne vais pas me le pardonner. Attention, là, c'est Dusan. Là, c'est Lewandowski. Vas-y, Lewandowski, là, vas-y. Eh oui, les gars. 2-2. On est de retour dans le terrain, les guys. Je vais enlever Frankie de Jong. Non, je vais enlever Marcos Alonso. Jordi Alba vient. Ouh, c'était chaud, les guys. Je commençais à regretter beaucoup de choses. Franchement, c'est un vrai El Clasico. Très jolie passe de Jong là. Allez, remplacement. Alonso, il a l'air... Oui, il a l'air cuit, les gars. Et vu qu'on va aller en prolongation, c'est que des matchs nuls aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive. Je sais, attention. Voilà. On va dégager là parce que je sais que Lewandowski peut aller encore chercher, provoquer. Voilà, là on peut. Ah, je sens qu'on peut. On peut faire quelque chose. Oh non, faut pas. Non, faut pas. Faut pas prendre un but après tout ce qu'on a fait. Voilà, Lewandowski demande la balle. Ah, j'ai failli prendre ça si j'avais intercepté. Voilà, on y va. Je voulais... Franchement, au milieu, je sais pas ce qu'il y a, mais... Voilà, c'est parti. Voilà, Thérèse.
n'a pas pu aller se sortir. Voilà. Je sens que ça a changé, que le match peut changer d'un côté comme de l'autre. Voilà, c'est bien. Là, j'ai voulu passer à Dembélé. Là, c'est rouge. Non, il avait déjà carton. Il n'avait pas carton. Il fait trop de fautes régulières. Allez, on va tirer dans la boîte. Je trouve. Malheureusement. Est-ce qu'il va y aller? Ça, c'est une très jolie passe. Franchement, je sens qu'on est en train de dominer. Mais on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Là, je vais aller enrouler là parce que... Oh, le poteau! Peut-être j'aurais dû passer. Attends, je regarde un peu. Oui, j'aurais dû passer à Lewandowski. J'ai été égoïste là sur ce coup. On m'a laissé beaucoup de place et là, je veux dire à tout le monde un peu de reculer. C'était une temps très très fort, mais... Voilà. Je sens que... Voilà, on va y aller. C'était comment il n'a pas pu prendre ce ballon? Je ne comprends pas. Ouf! C'est la prolongation, les guys. Je sens que le Real n'a rien donné ces dernières secondes. J'aurais pu marquer, j'aurais pu gagner, en finir. Bon, de prolongation, je ne voulais pas ça. J'ai plus de remplacement aussi. Et De Jong est fini, mais il donne un match. J'ai jamais vu un match pareil. Ah là là. Je n'ai pas joué très bien ce coup. Attention, attention. Heureusement que j'ai sorti le gardien. Quand même, j'allais pas prendre un but pareil, les guys. Ah, qu'est-ce qu'il fout, celui-là? C'est qui, ça? On va un peu jouer neutre, là, parce que... Je sens qu'ils sont tous en attaque, et c'est ça qui leur pousse à faire... Mais ça veut dire qu'il faudra être très vigilant en défense. Allez, Dembélé, je sais qu'il a la force. Ils sont épuisés, eux. Ils sont déjà épuisés. Ils sont déjà épuisés. Ils n'ont plus de force. Voilà, oh c'est juste. Ils sont épuisés, ils sont forts. Ils sont épuisés devant et derrière. Nous, on a encore du jus. Je ne sais pas d'où vient ce jus. Ils remplacent, ils amènent Modric. Et là, on va souffrir, les gars. On va souffrir. J'ai pas envie d'aller au pénalty. Franchement, j'ai pas envie d'aller au pénalty. On récupère cette balle. J'ai pas envie d'aller au pénalty, les gars. J'ai pas envie d'aller au pénalty. C'est osé. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. Ah non, je voulais pas jouer comme ça. Allez, on récupère cette balle. On récupère cette balle. Vas-y, Dembélé. Je sais que tu as plus de jus que ce type. Il va pas t'attraper. Et là, non, mais qu'est-ce qu'il faut? C'est corner? C'est corner? Non, c'est même pas corner, les guys. Là, c'était un but. Là, c'était un but. Deuxième mi-temps. Je sens qu'on peut gagner ce match. On peut gagner ce match. On peut y arriver. Pénalty, si on va au pénalty, on peut pas gagner. Ils ont Thibaut Courtois. Il est bien fort, Thibaut Courtois. Là, on récupère le ballon encore une fois. Ah non, j'ai très mal passé là. Ah là, il y a faute. Dégageons. Dégageons les gars, parce que... Non, Rudiger, il a encore du jus. Rudiger, il a encore du jus, les gars. Va pas te laisser passer, Benzema. Il y a faute arbitre, il siffle pas. Allez, vas-y. Ça passe pas.
Ça passe pas. Ça passe pas en tout cas. On donne tout, les gars, on donne tout. Oh, il a voulu faire un truc là, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut celui-ci? Ok. Dembélé, je sais que t'as la force. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. La passe. Lewandowski, j'aurais pas dû passer tôt comme ça. Allez, je récupère le ballon. Il est passé. Quelle une faute? Non, je voulais passer. Il fallait peut-être que je love. J'ai voulu passer au Dembélé et aux autres. Allez, on va faire accélération parce que. On va essayer de tirer là parce que. Ouh! Je sais qu'Hector Bellerin, parfois, il marque dans le corner comme ça. On va faire. Franchement, on joue des matchs très difficiles, les guys. On a raté beaucoup d'occasions. En tout cas, ça, c'est un vrai classico. Ce sont ces genres de matchs que je veux pas. Des matchs scriptés tellement. Attention, des. Ah, qu'est-ce qu'il fout? Ok. De toute façon, on a les sifflets. Penalty, les guys. Je crois que si on perd, franchement, je ne serai pas dessus. On a tout donné, on a tout donné. On aurait pu gagner ce match. Deuxième tir au but de cette vidéo. Cette vidéo sera très longue, les guys. Avec tellement de prolongations et tellement de trucs. Oh, ils sont tous nuls au penalty. Je veux perdre. Je veux perdre. Je n'ai même pas envie de voir ce penalty. Je vais tirer au hasard. Je ne serai pas sérieux. Le premier frappeur est prêt, c'est important de mener dans cette séance. Bon, les guys, est-ce que ça va entrer? Eh non, je savais. Thibaut Courtois, ça sera pas facile. Là, je vais aller à droite parce que j'ai vu que il commence souvent à droite les. Voilà. Je n'oublierai pas ce qui était passé au premier penalty. Là, je vais tirer encore le même endroit. Je crois que j'ai tiré au milieu là. Non. Voilà, ça c'est super bien. Tiré, merci Dembélé. Là, je vais encore aller à droite. Je choisis qu'un seul côté, hein, faut pas changer. Et voici le deuxième tireur. Et j'enlève aussi. Voilà, après je vais aller à gauche cette fois-ci. Voilà. Lewandowski, s'il te plaît, ne rate pas. Je ne vois même pas ma manette en fait, parce que je suis dans le noir, je suis en train de jouer dans le noir. Là, je crois que je vais rater, hein. J'ai tiré au milieu, je crois. Oh, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud. Allez les guys. On va en finale. Et là, je vais de ce côté, bien sûr. Ça, c'est trop facile. Ça se voyait tellement. Et là, si je gagne, je crois que c'est fini. Là, je vais aller à droite. Je vais à droite. Je crois que ça va faire poteau, hein. Ah, il a suivi, il a suivi, il a suivi. Mais si j'enlève aussi, il va encore tirer, je crois. À gauche. Ah, il m'a bien eu, il m'a bien eu, il m'a bien eu. Ça, c'est très bien tiré. Allez, vas-y, Pedri. Là, je tire au milieu. Et c'est fini. On est qualifiés, les guys. Ouh! Quel match, les guys. Quel match! Quel match, on savoure notre victoire. Savourons la victoire, les guys. Ouh, c'était franchement. Je n'oublierai pas cette vidéo. On a souffert. Ils ont souffert.
franchement, je vais revoir même cette vidéo moi-même de mon côté. C'était une super vidéo. On va cliquer sur suivant. Allez, maintenant, on va voir quoi? On va jouer contre FC Valence. On va gagner cette finale. On va gagner cette finale, je vous promets. Je vous le promets. On fera même une spéciale finale. Oh, c'est Liverpool en Champions League. On sera éliminé, les gars. Adios. Adios, la Champions League. Adios. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour la Champions League. Oh, j'ai Liverpool, Real Betis, Liverpool. Donc, on jouera trois matchs. Même quatre, je sais pas. Après, on se retrouvera peut-être FC Valence face à Copa del Rey. Après, il y aura la UEFA Champions League. Donc, les matchs qui vont suivre seront des matchs importants. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo face à Liverpool. Aller et retour. J'espère qu'on va gagner. On est en train de souffrir sur cette dernière partie de saison. Vous voyez vous-même. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et à bientôt, les guys!